Alors bonjour, bienvenue à tous à ce dimanche 10 octobre 2021, à l'occasion du dimanche de l'Action de grâce. Alors, il y a deux façons de suivre le culte de l'Église, soit en présentiel ici à l'Église, ou pour ceux qui ne peuvent pas suivre les rencontres en présentiel à l'Église, vous pouvez trouver diffusé en ligne l'enregistrement des cultes, soit sur notre site web, le site web de l'Église, soit sur la chaîne YouTube de l'Église, ou encore sur la page Facebook de l'Église Centre Vie Abondante ou la page Facebook de Chapelle Lapoc. Il y a des règles de sécurité sanitaire à suivre, évidemment, pour ceux qui assistent au culte en présentiel. Un couvre-visage est obligatoire. Vous pouvez le retirer une fois assis à votre place. Vous devez le porter pour circuler dans l'Église et pour la participation à la louange. Maintenant, le lavage des mains doit être fait à votre arrivée et à votre départ. La distance doit être maintenue en tout temps à 1 mètre et seules les personnes qui demeurent à la même adresse, comme on voit ici ce matin, peuvent s'asseoir ensemble côte à côte et évidemment éviter tout contact physique. On poursuit aussi la rencontre sur la guérison divine et la délivrance avec Pasteur Corneille. Ça se poursuit toujours. La prochaine rencontre se tiendra demain soir, alors même si c'est demain lundi de l'Action de grâce, demain soir le 11 octobre à 19h30, nous aurons notre prochaine rencontre. Alors, cette rencontre est autant pour les participants de l'Assemblée Vie Nouvelle de Saint-Malachie que pour les participants de l'Église Centre Vie Abondante de Montmagny. Vous pouvez participer à la rencontre en présentiel ici à l'Église ou en Zoom. Même pour ceux de l'Assemblée Vie Nouvelle, vous pouvez aussi participer ici en présentiel à l'Église de Montmagny. Pour participer en ligne sur Zoom, ça va peut-être être sur Teams, là, parce que la dernière fois, on l'a fait quand même sur Zoom. Hein? Oui, ça va peut-être être sur Teams. C'est pas compliqué à se connecter. Là, c'est semblable à se connecter sur Zoom. Alors, pour participer en ligne, vous devez vous inscrire en envoyant un courriel au bureau de l'Église à Église CVA, à commercial, cgocable.ca et vous recevrez en retour de votre courriel le lien pour vous connecter en direct avec nous à la rencontre en ligne. Aussi, en ce qui concerne les dîmes et les offrandes, vous pourrez déposer vos dîmes et vos offrandes dans le panier qui est situé ici à l'arrière de la salle à votre départ de l'Église. Et pour ceux qui écoutent en ligne les enregistrements des cultes et des rencontres, vous pouvez remettre vos dîmes et vos offrandes en visitant notre site web, le site web de l'Église au www.eglisecentrevieabondante.org. Vous pouvez aussi remettre vos dîmes et vos offrandes directement par transfert bancaire ou par Interact. Et pour toute information sur ce sujet, vous pouvez aussi contacter le bureau de l'Église à Montmagny pour connaître la procédure à suivre. Il y a une rencontre qui nous est offerte, ça se tient la fin de semaine prochaine, une rencontre offerte pour triompher de nos finances personnelles. La conférence s'est offerte à Québec, à l'Église du Carrefour des Nations. Et la conférence se tiendra le vendredi soir 15 octobre de 19h à 21h et le samedi, durant toute la journée, le 16 octobre de 9h30 à 15h45. Il est aussi possible de participer à cette rencontre en présentiel ou en ligne, en live sur Facebook. Et cette rencontre est offerte gratuitement, mais l'inscription est quand même obligatoire. Alors, pour vous inscrire à cette conférence, vous devez visiter le site web au www.ministerelarelance.com. Alors, www.ministerelarelance.com. La revue Notre pain quotidien est arrivée pour octobre, novembre, décembre. C'est offert pour votre édification dans la foi pour vous ou pour remettre à un ami pour qui peut-être vous priez. Et c'est entièrement gratuit. Simplement passez ici en arrière sur la gauche d'église pour prendre votre édition. L'heure de la bonne nouvelle est diffusée à nouveau. Alors, bonne nouvelle pour l'heure de la bonne nouvelle, c'est diffusé à nouveau. La nouvelle diffusion a repris depuis dimanche dernier. Alors, vous pouvez écouter l'émission sur le canal Nouveau à 7 heures tous les dimanches matins. L'émission est aussi offerte sur Télémag pour ceux qui sont abonnés au câble. Et elle est offerte tous les dimanches en après-midi à 13h30.
et vous pourrez aussi la trouver toujours sur Télémag en rediffusion les vendredis soirs à 19h ou les samedis matins à 6h30. Et pour le culte de dimanche prochain, dimanche le 17 octobre, Pasteur Corneille sera ici à l'église pour apporter le message de la parole. Et ce sera Sylvie qui sera ici avec vous, ici à l'église, pour conduire la louange. Alors, c'est tout pour les annonces ce matin, pour les informations de l'agenda de l'église pour toute la semaine. Je vais inviter maintenant Myriam à venir nous conduire dans la louange et l'adoration et à offrir ce temps de communion avec Dieu dans la prière. Amen. Oh, OK, là, ça fonctionne. Merci, Sylvie. Donc, bon matin à tous. C'est vraiment un plaisir d'être ensemble, encore une fois. Seigneur, je veux te dire merci pour ces moments que tu nous donnes. Merci pour ce temps d'arrêt que tu nous permets durant la semaine pour être ensemble, pour te louer tous ensemble, Seigneur, en tant que corps, en tant que famille, Seigneur. Je veux vraiment te remettre ces instants entre tes mains, que tu puisses vraiment venir prendre toute la place, Seigneur. Toute la place. On veut vraiment te remettre toutes choses entre tes mains. Et viens nous diriger, Seigneur. Viens nous parler. Viens préparer également ce que tu as mis sur le cœur du pasteur François, Seigneur. Viens le oindre particulièrement pour tout ce qu'il va nous dire. Qu'à toi revienne toute la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. J'avais vraiment le psaume 29, versets 1 et 2, quand je préparais ce moment. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Et c'est ce qu'on est venu un petit peu faire ce matin, rendre toute la gloire, tous ensemble. L'Éternel donne la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple. Son amour, Dieu.
À toi la gloire, tout l'univers.
Thank you.
Thank you.
tu règnes à jamais. Tu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté. Thank you.